Allez, salut tout le monde, c'est Tazric Perastia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 69, les amis, de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 2. J'espère que vous allez bien, plus précisément l'épisode numéro 22 de notre aventure 100% sur les fameuses émeraudes célestes, les étoiles vertes, tout simplement, entre parenthèses. Et non, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode numéro 69, putain de beaux chiffres, tenez pour cet épisode. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait récupéré je sais même plus combien d'étoiles, je crois qu'on avait récupéré un nombre de 2, 3 étoiles je crois. Luigi, l'étoile princesse Peach vient d'arriver, des années de lumière se séparent. Je crois qu'on avait récupéré 2 super étoiles mais j'en suis pas sûr. Bon, du coup bah on va voir ça. Ah oui, la pyramide, on se souvient non? Voilà, on avait récupéré, si mes souvenirs sont bons, là, on l'avait déjà fait, ah oui, je crois qu'on avait fait ça, voilà. On avait fait ces deux étoiles vertes ici, et on avait fait les deux étoiles vertes qui étaient ici, il nous en manquait plus qu'une. Il fallait tourner immédiatement à gauche, donc il faut s'en souvenir, tout simplement, sachant qu'on va récupérer un nombre de pièces, normalement, un petit peu, enfin, un bon nombre de pièces. Et logiquement, c'est la dernière étoile verte que nous devons faire dans ce fameux sable glissant. Donc du coup, bah, les amis, c'est parti en espérant que du coup, cet épisode 69 vous plaît. Comète farceuse repérée. Étoile verte numéro 2. Et donc du coup, oui, j'espère que cet épisode va vous plaire. Je sais pas si les remasters, est-ce qu'ont été annoncés ou pas. Parce que moi, je vous tourne, il est vraiment mi-août pour la début septembre, hein, tout simplement. Donc vaut mieux que vous prépare le bon petit planning des familles pour pouvoir tout simplement avoir du contenu à vous mettre sur la dent après septembre, hein, comme je vous l'ai promis. Et non, du coup, aujourd'hui, c'est Mario Galaxy 2 que nous nous attaquons, tout simplement. Et puis, il n'y a rien du tout, donc du coup, on va pouvoir aller là. Alors, attention, parce que ici, ça peut, ça fait, enfin, ça brûle, hein. Ouais. Ok. Alors, du coup, ok, des fragments d'étoiles. Voilà. Ok, là, vraiment, c'est que les pièces qui nous intéressent le maximum, même si les fragments d'étoiles nous intéressent aussi. Mais en priorité, c'est les fameuses petites pièces, donc du coup, c'est fait. Ok, donc là, il y a un petit tuyau. On sait que c'est ce côté qu'il faudra aller après. Mais je regarde s'il n'y a pas d'autres pièces. Non, il n'y a pas d'autres pièces. Let's go. Alors, je crois qu'ici, il y a un nombre colossal de pièces. Voilà, il y a ça. J'aime beaucoup ça, par contre. C'est vraiment très bien. Voilà, parce que, regardez, il y a à peu près 60 pièces, je crois, ici. Bah, vous pouvez voir le chiffre en bas, hein, tout simplement. Ouais, 60 pièces, enfin 5, ouais, 50 et quelques quoi, c'est pas 55 à peu près je crois. Mais voilà, voilà. Alors du coup ça filme bien, c'est bon, ça enregistre bien, c'est parfait. Alors du coup il faut aller là, pour les pièces. Voilà, par contre il faut faire attention parce que ça brûle, ça peut brûler. Attention. Voilà, donc du coup, bah oui ça peut brûler et je me brûle sur une petite bougie. Mon dieu, je vous jure, je vais me tuer. Ah, par contre, là, c'est vrai que ici, il faut faire un petit peu attention. Voilà. Les petites pièces, oui, parce que... Alors, au cas où, pour les épisodes farming, j'ai trouvé comment va-t-on réussir, enfin, comment va-t-on les gérer. Alors, pour les épisodes farming, il y aura 30 minutes d'épisode et nous ferons la terrasse des Rigolo Nimbus, j'imagine, 2. Parce que logiquement, on met... Oh, bah, d'accord. On met 15... Mais il va mourir tout seul. On met 15 minutes... pour faire la terrasse de Rigolo Nimbus en moyenne pour un seul essai. Et donc du coup on fera la terrasse des Rigolo Nimbus tout simplement. Attention. Aïe. Donc tout ça, voilà. C'est pour ça qu'on la fera deux fois. Logiquement, il y a 500. Putain. Il y a 500 pièces à se mettre sur la dent au total dans l'épisode. Voilà, donc vous comptez vraiment, c'est bien. C'est bien comme ça. Attention. Allez, dégage. Ah, par contre, non. Voilà, parfait. Je vais la pièce. En espérant que du coup, qu'on se faille pas pour attraper l'étoile verte. Parce que je l'aurai mauvaise. Avec le nombre de pièces colossales que nous avons. Attention. Alors là, on l'avait déjà récupéré. C'est la toute première de la galaxie. La troisième, elle était. À gauche de la glissade. À droite, pardon, de la glissade. Ça dépend, à droite de la position où la caméra regarde et à gauche de à la position de Luigi là où Luigi regarde. Et elle était tout à la fin. Et là en fait la première et la deuxième elle est tout au début. Tout au début. Et elle est à gauche.
de la caméra et à droite de Luigi. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Elle est là. Alors on sait, il faut maintenir le joystick, voilà, en arrière. Et nous l'avons eu. Et c'est bien parce que nous avons perdu aucune pièce. Je suis très content là parce que, souvenez-vous, ça fait deux fois qu'on récupère un maximum de pièces, deux fois qu'on s'est fail, hein, ici. Donc c'est pour ça que ça fait un petit peu chier. Mais bon, voilà, on s'est bien rattrapé. Et du coup, l'étoile verte numéro 2 à notre possession, Galaxy terminée. Et du coup, voilà, 29 fragments étoiles et des pièces, 5500, donc ça fait un épisode en moins. Tout simplement parce que tous les épisodes, c'est 500 pièces, hein, logiquement, comme je vous ai dit. Donc du coup, ça veut dire que là, il nous reste 6000, 7500, 7000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 9500 et 1000. Donc du coup, il nous manque 10 épisodes d'épisodes farm. Je sais pas si j'ai bien calculé, mais si, non, j'ai bien calculé. Non, mais non, vu que c'est 5500, donc 9 épisodes farm. 9 épisodes farm. Donc du coup, c'est bien. Ça nous fait 9 épisodes farm au lieu d'en faire 10, tout simplement. C'est parfait. Alors du coup, on va pouvoir s'attaquer à la suite, tout simplement, de ce fameux monde 5. Et on va s'attaquer ici, comme d'habitude, on s'attaque toujours en haut vers le bas, dans l'ordre, à Raplan Extrême, dans lequel il y a deux super étoiles vertes. Alors, je sais où elle est la première, parce que c'est toujours elle que je mémorise en premier, parce que c'est elle qui est très pute. Par contre, le reste, je sais pas du tout. Étoile verte numéro 1. Étoile verte numéro 1, donc du coup... Alors, vous allez la voir, logiquement. Par contre, la deuxième, je sais pas du tout où elle est, hein, je vous le dis. Et on l'entend pas. Donc, voilà, la première, je sais où elle est, mais la deuxième, à Kunini, quoi. Voilà, la première, vous l'avez vue, elle est là. Et en fait, je sais ce qu'il faut faire. Elle est dessous. En fait, dès qu'on commence, il faut direct piquer pour pouvoir la récupérer. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. Et là, par contre, la deuxième, j'en ai aucune idée. Araplan, dis que tu es un chic type. Chic type, chic type. Il aimerait bien planer avec toi. Alors que tu veux planer avec Araplan, d'accord. Par contre, ne m'apprends pas, s'il te plaît. Il faut traverser le portail en forme de soleil pour gagner. Mais c'est dur. Yark, ouais. Parfait, il m'apprend pas. Du coup, là, il faut que je maintienne la Wiimote tout en bas maintenant. Tout en bas maintenant. Voilà. C'est le truc. Voilà. Alors, ça peut pas se deviner. Mais voilà. Donc c'est celle-là que je me souviens parce que elle, c'est celle que j'ai, je crois, de tout le jeu, le plus galéré en étant jeune. Donc dans ma jeunesse. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je m'en souviens du coup. Enfin surtout galérer, comment l'attraper surtout. C'est différent. Là, donc du coup, on va pouvoir du coup refaire la Raplan Extrême, mais cette fois-ci en cherchant la deuxième que je ne sais plus du tout où elle se situe. Mais vraiment plus du tout. Hein. C'est là. Faut que je sois très attentif au niveau auditif parce que je ne sais rien du tout. Comète farceuse repérée, étoile verte numéro 2. Je regarde si ça filme bien toujours quand même parce que tout à l'heure ça avait fait un truc dans Mario Galaxy 1, c'est pour ça que je regarde un petit peu. Ok. Je l'ai ni vu ni entendu. Donc du coup elle n'est pas ici parce qu'on a déjà récupéré la première. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas au milieu. Elle est un petit peu plus loin. Araplan dit que tu es un chic type, chic type, chic type. Elle aimerait bien planer avec toi. Yark, tu veux planer avec Araplan? Oui, d'accord. Il faut traverser le portail en forme de soleil pour gagner. Mais c'est dur, yark. A votre avis, il faut peut-être pas passer les 5 portails. Je sais pas. On va d'abord faire hors 5 portails et après on fera les 5 portails. Là, vraiment, on va être attentif. Alors, la première qu'on attend, c'est celle qu'on a récupérée, bien sûr. Oh, bah, vous savez quoi, autant récupérer. Je me tais parce que je sais pas du tout où elle est. Du coup, si elle est quelque part, j'aimerais bien l'entendre. La petite pièce, ça serait bien d'en récupérer au moins une pour sauver l'immeuble. Alors là, je sais pas du tout où elle est. La Wiimote, d'accord. Alors là, elle est où? Est-ce qu'il y en a une là? Elle est où? Elle est où? Elle est là, elle est derrière le. Elle était derrière le truc. Oh là là. Quand vous vous en souvenez pas du tout. Je vais vous dire pourquoi je m'en souviens pas. Alors pourtant, je les ai fait nombreuses fois. Aussi, souvenez. Je sais. Vraiment, je vais peut-être me répéter.
Mais pour les gens qui ne savent pas, c'est que je fais les versions Roomhack. Oui, parce que je joue au Roomhack. Alors évidemment, je vous les proposerai les Roomhack, hein, bien sûr, sur ma chaîne YouTube quand j'aurai fini le jeu. Mais je joue version Roomhack. Donc du coup, les Roomhack, ben, ça change les positionnements des étoiles. Bien sûr, c'est normal. Donc toutes les étoiles vertes sont changées. Les positionnements. Du coup, ben, vu que j'en ai joué au moins des dizaines dans ma vie, ben, du coup, ben, j'ai beaucoup de mal à mémoriser ben, les normales, en fait, les classiques, les originales. Les originaux, plutôt. Donc du coup, ben, pour moi, c'est un petit peu plus difficile, quoi. Mais bon, nous, nous avons réussi. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer à la prochaine galaxie, les amis. À la prochaine galaxie qui est tout simplement, je vais y arriver, le fameux magma glacé. On va pouvoir... Alors, il y a 3 super étoiles. Alors, ça m'étonnerait qu'on termine cette galaxie aujourd'hui parce qu'il est... On a vu... Enfin, regardez le temps de l'épisode. Mais en tout cas, on finira sûrement la fois prochaine. Comète, farceuse, repérée. Alors, du coup, étoile verte numéro 1. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, il y en a une dans le volcan, on l'a vu déjà. Et est-ce qu'on en voit une derrière on attend... Là, on n'attend rien, on n'en voit pas une derrière, d'accord. Il y en a une. Il y en a une vers. Enfin, dans le volcan. Donc, j'imagine qu'il faut d'abord glacer le lac avant de l'atteindre. C'est logique en même temps. Ok. Alors là, je voudrais vraiment récupérer les pièces. Et parce que là on va récupérer les pièces hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors du coup on va vite glacer le lac. Comme ça au moins ça sera fait. Voilà. On va vite glacer le lac. Voilà. Là au moins on est un petit peu plus tranquille. Même si ça ça fait. Ça peut faire mal. Donc on va quand même les esquiver. Attention, attention. Attention. Prendre ça, on sait jamais. Ça peut servir. Alors, on l'a vu, elle est là. Donc, il faut prendre hein, tout simplement le nuage pour aller dans le volcan. Mais je voudrais juste récupérer, évidemment, un maximum de pièces. Avant de partir d'ici. Aïe. Merci. Bon, on n'en aura pas beaucoup des pièces, on en aura une dizaine, mais bon, moi, 10, c'est pas mal. Oui, parce que si on commence pas à les farmer maintenant, hein, comme je vous dis, les amis, déjà, on a besoin de 9 épisodes farm. Donc, 9 épisodes où on va farmer comme un porc les pièces. Les pièces, hein, pas les fragments étoiles. Hein. Même si les fragments étoiles, à mon avis, on sera assez bien avancé parce qu'il y a une zone qui permet d'en farmer 999 dans l'épisode. Oh là là. Donc, du coup, voilà. Je regarde parce que je sais pas s'il y en a une ici. Merci. Allez, go. Maintenant, on va aller direction le comment ça s'appelle, le nuage. Ok. Un. Deux. Trois. Et voilà, nous l'avons eu. Bon. Alors, on attend d'en faire une deuxième. On va faire la deuxième, tout simplement, vu le temps qu'il est. Et après, on s'arrêtera là. On finira la fois prochaine cette galaxie. Et logiquement, on finira même le monde la fois prochaine, logiquement. Bon, du coup, c'est pas mal. Étoile verte, numéro 1, comme d'habitude. Nombre de pièces. Nombre d'étoiles, fragments étoiles et nombre de pièces. Mais du coup, c'est parti, les amis, c'est parti. Donc, ça veut dire qu'on aura récupéré une, deux, trois... 4, 5 super étoiles vertes dans cet épisode. Pourtant, je les rush pas. Enfin, j'ai pas l'impression de speeder, tout simplement. Je joue comète, farceuse, repérer, je joue de manière normale, en fait. Donc, bon, je sais pas pourquoi, mais bon. Étoile verte numéro 2. Mais bon, allez comprendre. Alors, du coup, il faut voir, elle est où la deuxième? On n'a pas vu la deuxième. Alors là, maintenant, je vais analyser autre que la plateforme qui est là. Ah d'accord, je l'ai même pas vu ici. Je sais même pas si elle est. Est-ce qu'elle est sur l'autre? Je sais pas. Je sais pas si elle est. Est-ce qu'elle est sur l'autre galaxie? Hop. Merci. Merci.
1, 2, 3. On va d'abord éliminer ceux de là-bas parce que eux, ceux là-bas sont les plus loin et les plus chiants. Et vu qu'il n'y a pas le nuage là-bas, j'aimerais bien prendre le nuage en même temps. Oui, c'est bon, j'ai lu. Ok. Ah non, je voulais pas. Je voulais les pièces. Bâtard. J'essaie de regarder un petit peu aux alentours. C'est pour ça que je prends le temps un petit peu de regarder là. Il n'y a pas, hein. À la base, c'était la version Kaizo, je crois. Donc, il n'y en a pas là-bas. Putain, je m'embrouille avec les versions maintenant. Vous avez vu en fait? Je vous dis, pour. Vous allez dire, ouais, mais t'as l'air d'avoir fait nombreuses fois le jeu pour le quand même. Enfin, de perdre le moins possible. Ben, le problème, c'est que. Oui, non. Le problème, c'est que oui, je gère le jeu, mais le problème, c'est que je m'en souviens plus du jeu. Enfin, je gère pas le jeu original. Je gère que les roumacs et les roumacs extrêmes. C'est n'importe quoi, non, mais bon. Ok. Oh bah go. Go go go. Alors ce qu'il y en a une là. J'en entends une. J'en entends une déjà pour commencer. Voilà, elle peut être n'importe où, hein, je vous le dis. Elle peut être n'importe où. Ça, c'est un niveau chiant, ça. Oh, ah, d'accord. Elle a l'air d'être proche du bord. Le problème, c'est que la caméra, elle n'est pas foufou ici. Aïe. Oh, on va mourir, là. Ok, alors. Elle n'est pas ici. Elle est peut-être de l'autre côté. Non, même pas. Elle n'est pas de l'autre côté. Là, de l'autre côté, on la voit pas. Pourquoi? Mais eux, ils meurent pas. Mais c'est une blague. Aïe. Putain, elle est où? Elle est où? Elle est où? Je m'en souviens plus, moi. Je me souviens que les versions Kaizo. Putain. Attention, ne perds pas inutilement. Je sais pas où elle est, cette putain d'étoile. Bon, elle est peut-être de l'autre côté parce que je crois qu'il y a un autre côté aussi. Mais ça me semble bizarre parce que ça, certes, ça amène de l'autre côté, mais ça amène. Mais ça sonne très proche en fait. À part elle est. Dans. Putain, j'ai failli perdre. À part elle est en hauteur. Je vois que ça, à part qu'elle est en. Fuck you. Putain. Putain. Oh, j'en peux plus. Ce jeu va me tuer. J'en peux plus. Je l'attends proche d'ici en plus. Non mais c'est une blague. On me fait une caméra cachée. Elle y est même pas ici. Non mais les gens, je sais pas où aller là. Je sais honnêtement pas du tout où aller. Oh mon gars. Eh putain, allez. D'accord. Ok. Ok. Putain, heureusement on fait ça pour les pièces, hein, je vous le dis. Non, je l'aurais pas fait comme ça. Alors par contre, là on atteint une nouvelle partie. Ok. Le problème c'est que on voit rien ici. Mais on voit rien. C'est où? Je regarde vraiment de droite à gauche. Y a rien. Y a rien. On voit rien. Y a rien. Elle est là à droite. Elle est à droite. Putain. Elle est en haut à droite. Yes. Alors là par contre. Ouh, ça va être un peu dangereux ici, ça va être risqué, hein. Aïe. Ok. Ah oui, bah oui, mais c'est pas possible. Attendez. Aïe. Yes. Oh putain, comme elle était proche de la lave. Oh là, mais vraiment le truc mal au cul, quoi. Mon dieu, la galère. Oh là là, la galère.
Ah, je l'avais oublié ça là, du tout, mais vraiment, totalement. C'est sorti de l'esprit. On était bien de la deuxième, donc ça me rassure, c'est pas la troisième. Donc du coup, la troisième, ça veut dire qu'elle est après. 5600, yeah. Bon, les amis, on va devoir s'arrêter là pour cet épisode numéro 69 de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 2, plus précisément l'épisode 22 de notre aventure sur les fameuses émeraudes célestes, hein, les, entre parenthèses, les étoiles vertes. La prochaine fois, nous terminerons tout simplement le magma glacé. Logiquement, on devrait le terminer du coup la fois prochaine tranquillement, hein, on devrait pas mettre longtemps. Par contre, on peut-être, et je pense que même on le fera, on fera du coup les logiquement les deux super étoiles vertes de cette galaxie. Normalement, on termine le monde 5 à 100% la fois prochaine. Donc du coup, on n'aurait plus à y revenir, donc, tout simplement. Donc du coup, il ne manquera que deux mondes à finir à 100%. On se rapproche hein, de l'objectif du 100%. Donc du coup, voilà. Voilà. Donc du coup, la fois prochaine, comme je vous ai dit, on fera du coup l'étoile, la dernière étoile du magma glacé, l'étoile verte, et les deux étoiles vertes du fort foudroyant de Bowser Jr. Et logiquement, ça m'étonnerait qu'on puisse attaquer une nouvelle galaxie, parce qu'on va prendre beaucoup de temps sur la partie magma, vu que c'est très compliqué, et vu qu'il y a un nombre de... Et j'aimerais bien récupérer un maximum de pièces, donc du coup, ça va être un petit peu galère, mais on va tenter de récupérer le maximum. Et puis voilà. Donc merci de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 70, une nouvelle dizaine sur ce Let's Play 100%, plus précisément l'épisode 23 de l'émeraude céleste, hein, entre parenthèses, les étoiles vertes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.